Hello everyone! Welcome to BGS Between Session number 40 with Burnout Paradise. On est sur Burnout Paradise. Dans cette vidéo, au but de présenter le jeu. Mais il s'avère que le jeu, j'ai commencé depuis un moment, sauf que j'avais pas eu l'occasion de faire une vidéo opening du jeu. Donc on va parler un peu de Burnout Paradise. Donc, Burnout Paradise, c'est un épisode de Burnout. Il est sorti le 22 janvier. January 2K8. C'est un jeu qui a été développé par Criterion Games et l'éditeur c'est Electronic Arts. Alors Criterion Games ont fait plein de jeux de course. Sachant que les Burnout avant c'était Acclaim, il me semble qu'il les faisait. Je suis pas sûr de moi, attends, faudrait que je vérifie, attendez juste deux secondes. Là c'est Reborn, il me semble que c'est Acclaim qui les a fait. C'est pas Acclaim. Ah c'est ça, c'était Acclaim au départ. Ah non, c'était l'éditeur, ça a toujours été Criterion Games. Ah bah autant pour moi. Ah ouais, alors en fait ils font les Burnout depuis longtemps quoi. Alors il y a eu Burnout, premier du monde, Burnout 2, Burnout 3, Takedown. Alors Takedown, c'est vous tapez dans une voiture pour l'exploser et vous continuez la course. Et vous avez accès à une animation très sympa à regarder. Vous voyez la voiture exploser. Et donc Burnout Paradise est sorti en 2008. Et c'est l'épisode combien? Alors, je sais pas. Il y a eu le 4, 5, on va dire que c'est le 6ème épisode. Il y a eu aussi un Burnout Paradise Ultimate Box. Une version remastered en 2K18, donc 2018. Qui est sorti aussi sur Nintendo Switch en 2020. D'accord, ça va. Vraiment, ce jeu a été vendu, revendu et revendu. Alors, les Burnout, au départ, ça n'a rien à voir avec ça. Oui, il y a de la course, mais c'est surtout les accidents. Il y a un mode accident, en fait, faut faire le plus de dégâts possible. C'est-à-dire, vous êtes en voiture, vous avez un point de départ, un lieu de crash, par exemple, un croisement avec des camions, et vous devez foncer et bam, vous tapez dans une voiture. Ah, il y a une bagnole. Voilà, comme ça. Ah, j'ai fait un technaire. Bim, je l'ai gagné, super. Enfin, je regarde si elle est bien puissante et j'arrive peut-être la récupérer. Et qu'est-ce que je disais? Oui, voilà, il fallait déclencher donc des gros accidents. Et ça, c'est franchement c'était. J'ai raté le. C'est pas mal. Il y a des micro tisons. Pour les petits tisons. Et bah, c'était fun, ça. Vraiment, c'était surtout sur la GameCube. Burnout, c'est connu comme ça. J'ai pas explosé, c'est comme ça que c'était connu à Berlin, c'était vraiment les accidents, enfin les dégâts le plus possible avec une voiture de course au milieu de la circulation, c'était le but premier. Ils sont devenus c'était déjà un jeu de course mais plus course, et là clairement quand vous voyez le jeu, à quoi ça vous fait penser? Ah là j'ai explosé totalement. À quoi ça vous fait penser? Mais il y a les Takedown, ça se différencie mais quand même. Regardez les véhicules. Alors c'est des véhicules sans licence. C'est quoi, c'est Nakamura que j'ai Nakamura. Donc là c'est Skyline. Et c'est un Skyline. Et clairement ça fait penser à Need for Speed. C'est très inspiré des Need for Speed. Il faut faire des courses, il faut faire des courses basiques d'un point à un point B, tout le numéro 1. Vous avez aussi des takedowns, il faut faire un maximum de takedowns contre des véhicules. Il y a les courses sauts. Faire un maximum de sauts, enfin de sauts, de cabrioles et les courses dégâts. C'est la même chose. Alors la musique elle est super, hein. Les Guns N' Roses qu'on fait Paradise City. On peut changer les titres avec le bouton. Alors c'est très rock, hein. Burnout. Alors là, c'est encore plus. Ouais, l'ambiance, les tunnels, mais ça fait. Il date de 2008. Attendez, voilà. La Interreliable Custom est disponible à la casse. Merci. Alors, il date de 2008. Et le Most Wanted date de 2005. Et on sent le Need for Speed, on sent l'influence de Most Wanted dans celui-là.
les décors, le style ouais, de décor à l'américaine, même les véhicules, le boost. Alors il n'y a pas de tuning sur cet opus de Burnout. Le tuning il est inclus. Les véhicules sont déjà plus ou moins tunés. D'ailleurs le boost vous l'avez quasiment dès le début. Donc c'est, vous pouvez changer la couleur. Il y a peut-être des petites options comme ça, mais on peut pas changer les stickers, ça va pas. C'est dommage, ça a été. Ah oui, il y a un truc qui est le jeu en lui. Quand vous faites des courses, vous voyez au-dessus de tout en haut là, vous avez un panneau avec le nom de la rue. Et là vous avez le croisement. Là, on arrive au croisement, hop, vous avez et bah, les courses c'est ça. Au lieu d'avoir un GPS, on vous dit bah trouve le chemin le plus court. Donc vous voyez, vous voyez c'est comme l'icône avec la casse tout à droite, regardez sur la map en bas à droite, mais l'image de casse. Bah ça c'est l'objectif. Et en fait quand vous faites la course, bah, c'est comme ça. Il faut trouver par vous-même le chemin le plus court et ensuite gagner la course. Alors quand on est très fort, vous connaissez très bien la map, il n'y a pas de souci. Mais moi, je ne connaissais pas la map. Alors j'ai trouvé une astuce, c'est pas vraiment une astuce, hein. C'est que je laisse mes adversaires. Je laisse mes adversaires mais le coup, je les laisse être en tête, mais pas trop quand même, faut que je sois deuxième, troisième, quoi, au pire. Et quand on arrive à la fin, on voit bien l'icône de fin de course, quoi. Et ben, je fonce, j'accélère comme un malade pour rejoindre la fin de la course, quoi, l'arrivée le plus vite possible. Et ça marche, ça marche. Ça te permet de ne pas être paumé, parce que vraiment, l'IA, bah, elle connaît forcément les raccourcis. Alors des fois il y en a quelques-uns qui prennent pas le bon chemin, mais franchement ils connaissent ces raccourcis. Du coup bah faut les suivre eux, il faut juste les coiffer au poteau quand vous pouvez. Alors c'est dur des fois de pas se prendre le décor, mais voilà, faut passer devant à la fin. Et hop c'est bon quoi, vous avez gagné, vous gagnez la partie comme ça. Alors là j'ai remarqué qu'il y avait des courses qui étaient limitées en fonction de véhicules. Il y a des motos aussi, mais les motos... Ah ouais en fait elle est pas intéressante. Compromis lui. Un pionnier. Ah, la pionnière elle est moche, hein, mais elle tracte. Lui il tracte plus. Bah, je le prends lui. Je le tue, je vais le réparer. Alors, on peut changer la couleur. C'est-à-dire qu'il a le frein à main d'activer. C'est bizarre. Ah oui, il tire. Et la propulsion, elle nous tire à gauche ou à droite au choix. Ah, la direction est mauvaise. Oh là 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 là. Ah, la direction est très mauvaise. J'ai du mal à tourner. Ah, ouais, là, cette galère. Oh là là, j'aurais peut-être pas dû prendre ce véhicule là. Ah, il est pas maniable. Si je veux prendre des trucs comme ça, je vais pas m'en sortir. On s'en fout. Ça, c'est en fait, on a des records en ligne de portions de la map. Ah, quand il tourne, c'est. Ah, j'ai kick XL, c'est bien ça. Je galère en course. Hein. Alors, la bande son est sympa. Il y a un peu d'électro, mais surtout rock. Avec le titre Paradise City. Ah, il y a un road rage. Est-ce qu'on fait un road rage? Allez, on fait un road rage. Vous allez voir, on va faire des takedowns, c'est sympa. On va en faire 7 comme ça. Allez, venez les gars! Allez, 2-1. Alors, j'ai pas fait grand chose. Ah, raté. Dommage. On a pas beaucoup de temps quand même pour aller faire la vecteur. Allez, essayez de me planter. Lui.
Allez. Ah, c'est bon. C'est 2-1. Pas 2-2, pardon. Ouais, super. Ah, pardon, j'ai pété mon véhicule. Donc, voilà. Oh, elle est immaniable. Hein. Je changerai de voiture après. Là, je dois être à une 4 heures de jeu, ça peut. Ah oui, alors, ça fait bizarre de regarder une vidéo qui se passe. Qui est avant dans la playlist. Et bien après c'était bizarre parce que j'ai pas fait de vidéo d'ouverture pour le premier run. Premier run, je sais pas comment. Je suis au bout de temps. Pour le premier run, j'ai vraiment fait les missions. J'ai mes courses. J'ai vraiment suivi les jeux. J'ai subi le détecteur, mais au début j'étais en galère, parce que je comprenais pas bien le concept. Bon, je m'y suis fait. J'avais pas aimé la première fois que j'avais essayé. J'étais pas fan. Là, ça va mieux. Ça va mieux. Je retire la vie que j'ai fait. C'était la note que j'étais pas fan. Au final, ça va. Ça se rapproche d'un Need for Speed. On voit bien les références. Je dirais que le seul défaut, c'est que c'est répétitif, quoi, les dégâts. Pour le reste, ça, c'est pas bien. Allez, ah, encore un. J'en ai un d'avance. Ah, alors lui carrément il monte. Et oui, regardez, il n'y a pas de personnage. Dans le véhicule, il n'y a personne. Alors qu'en moto, ils ont mis un bonhomme. C'est logique. Tu mets un bonhomme tout le temps, quoi. Pourquoi juste... Wow, ça c'est du waouh. Ah ouais, bravo, bravo, magnifique. J'ai gagné malheureusement. Au début vous faites juste 2 tech down, après ça augmente. 5, d'accord. Il y a des courses un peu partout, il y a combien de genres de courses? On va aller sur la map. C'est quoi dézoomer déjà? Ah, dézoomer c'est ça. La map, est-ce qu'elle est... Ouais, la map elle est pas grande. Là c'est toute la map. Paradise City. Et chaque petit rond, c'est une course spéciale à faire. Les rouges, c'est les takedowns. Les marrons, c'est des. Faut faire des points. Les bleus, c'est des courses normales. Les verts, je sais plus c'est quoi. Ok, il me reste encore quelques-unes à faire. Mais bon, je vais changer de véhicule, je pense. Il n'y a pas trop de logique. Vous faites des courses, vous les gagnez. Voilà quoi. Il n'y a pas d'histoire, vraiment. Bah bon, dans l'ensemble, franchement, je trouve que ça va. C'est pas mal. Ça tourne bien. Normal, en 2008, 2022, 14 ans. Mais c'est vrai qu'on voit ces vieux jeux-là, ils tournent toujours, quoi. Ça, c'est fou. Alors qu'il y a des jeux plus récents qui ne tournent plus. C'est bizarre. Donc pour l'instant, bah, ça. Voilà, c'était juste une vidéo pour vous expliquer le principe du jeu. Vous avez vu. Pour faire des courses. On écoute de la musique. Ah, la Need for Speed, en somme. C'est du Need for Speed. Mais d'un autre genre, quoi. C'est Burnout au tout départ. Bah c'était pas du Need for Speed. Et là, ils ont Need for Speed. Ah, Need for Speed et aussi le CSD. Burnout. Course Sun Valley. Vous voyez une course, vous pouvez l'activer en appuyant sur frein et accélération en même temps. Ce qui paraît très logique. Ouais, c'est un mauvais véhicule, je vais le changer. Il a beaucoup d'inertie, il a du mal à tourner. Après il est pas aussi rapide qu'un Need for Speed. Mais il est fun quand même. Ah ouais, comment... Non mais vous imaginez l'accélération pour pouvoir atteindre le poteau. Enfin le panneau, c'est impossible. Là, il n'y a pas de train d'ailleurs, c'est un peu dommage ça. J'ai tapé dans rien là. Expliquez-moi, j'ai tapé dans rien. Enfin. Donc voilà, c'était la
l'opening d'après, c'est-à-dire l'opening mais le jacuzzi clôture. Pour l'instant ça se passe bien et le jeu c'est pas mal. Allez, à bientôt pour une prochaine vidéo.